Cette bague en or, ainsi que ce collier pour enfants, font partie des bijoux exceptionnels exposés au musée d'Aléria. Grâce à ces parures, le visiteur fait un bond de 3 siècles avant notre ère. Une grande partie de ces objets a été sortie de la réserve du musée, d'autres proviennent des fouilles réalisées en début d'année. Nous avons la chance de présenter donc une vingtaine d'objets qui sont issus des fouilles récentes sur la nécropole de la Matione. Voilà, nous présentons environ une petite vingtaine d'objets, mais qui sont vraiment particulièrement spectaculaires. Nous avons des bijoux, nous avons des éléments usuels que nous n'avions pas dans nos collections. Tous les aspects de la civilisation romaine sont abordés, notamment l'utilisation de l'eau, ressource stratégique. Voici le premier prototype de nos canalisations. Les Romains les fabriquaient déjà en plomb. Ils ont posé les piliers de notre modernité. Il fallait aussi creuser des puits, mais pas jusqu'à la nappe phréatique, puisqu'elle se situe à peu près à 70 mètres de profondeur. Donc on creusait des petits canaux latéraux, des couniculi, et on récupérait l'eau pluviale, l'eau d'infiltration dans la terre. C'était tout à fait ingénieux. Le musée d'Aléria a encore des milliers d'objets dans ses réserves. Ce fonds inestimable doit permettre à la commune de rayonner en Corse, mais pas seulement. Aujourd'hui, à Aléria, nous retissons les fils naturels de son histoire pour lui redonner une dimension, sa réelle dimension, à l'échelle de la Corse, mais aussi de la Méditerranée et de l'Europe. Nul doute que cet objet à 20 faces, l'icosèdre, fabriqué en cristal de roche par les Romains, va attirer de nombreux curieux. Cette exposition temporaire est visible jusqu'au 3 novembre.